c'est une belle ville. Ah, merci. Quand même. Ah, non. C'est une belle ville, merci. On fait tout pour que ce soit une belle ville. Même chuchoter en fait, je t'explique. Ah merde, qui l'a foutu après ? Eh oui. Allez, les voilà, mesdames et messieurs, la légende du catch, l'étrangleur franco-écossais, Scott Wilder. Thank you.
Un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs. Alors, donc, comme on vous a expliqué comment ça va se passer tout à l'heure, on va venir vers vous, vous allez pouvoir leur poser des questions, ils vont vous répondre chacun leur tour en fonction de la personne à qui vous aurez posé la question. Donc on va commencer, hein. Vous êtes prêts? Et vous êtes prêts? Toutes les questions que vous avez voulu leur poser, vous pouvez leur poser là, aujourd'hui. Ils sont là, exprès pour vous. Allez, on y va? Allez, c'est vous qui commencez, ça va? Vous avez une question à leur poser? Ouais, au Portugal. El Lobo. Exactement. Je voulais savoir quelle est la... comment on dit? Quelle est la force intérieure que tu trouves pour catcher? Devant, madame. C'est une question dans le sens que
avons accepté qu'on n'a pas l'envie de quelque chose. Je pense que lui, c'est... Joker. On va prendre une autre question plus intéressante. Non, je présente. Non, en fait, il faut savoir que le problème pour lequel féminin, souvent, ça a été dénigré depuis des années, parce que dans les boîtes de nuit, ou les clubs, ou autres, tout ce qui est combat dans la... On est mis dans la boule à confronter, si vous voulez, ils appellent ça du catch. Nous, on n'est pas d'accord. On trouve que les femmes ont leur place sur un ring, autant dans d'autres sports. Donc, c'est pour ça que dans les écoles de catch de la LNC, on essaie de les former, de leur forger un caractère, de leur apprendre les bases de la lutte et autres. Et souvent, elles s'entraînent contre des hommes, des, même des catcheurs et autres. Elles sont de très haut niveau. Donc, au niveau de la LNC, on a un très grand respect pour les femmes, on essaie de développer le catch féminin. Évidemment, on a beaucoup moins de candidates dans les écoles de catch et autres que pour les hommes, on le regrette. Donc d'ailleurs, s'il y a des dames ou des demoiselles parmi vous qui veulent s'y essayer, apprendre, faire une initiation, un stage, découvrir ou même aider dans le milieu de catch, c'est pas possible. Enfin voilà, j'espère que j'aurai répondu à votre question, tout en sachant donc que nous sommes pour le catch féminin. Voilà. Et c'est vrai que dans les matchs mixtes, elles ne sont pas en reste, définitivement, même contre vous. Moi, à titre personnel dans ma carrière, j'ai déjà été mis KO par des femmes. Donc vous voyez, pourtant, je fais quand même plus de 100 kilos, et il m'est arrivé d'avoir pris un KO par une femme. Vous voyez, donc, pour vous dire que. Le catch féminin, c'est quelque chose d'important, de fort, qu'il faut considérer vraiment comme un sport et de ne pas les mettre à part. Donc, voilà. Nous, que je répète, au sein de la LNC, on essaye de les prendre, de les envelopper dans le roadster, comme on dit, et tout se passe pour le mieux. Donc voilà, elles sont à 100% avec nous et vous voyez, elles sont à la même table que nous, elles font partie de catch, de tout. Elles ont été là pour l'initiation, pour aider pour les enfants et autres. Et on ne veut surtout pas les mettre à part, mais même on essaie de les mettre en avant tout à fait. Voilà. En même temps, ils sont tellement bien. Un joker, encore une fois. Prochaine question. Alors moi, ça serait une question pour Dr Müller. Penses-tu reprendre un jour ce qui t'appartient, le titre de champion du monde ? Bien sûr. Ok. Le titre, aujourd'hui, le retour du champion du monde, David Michel, je l'ai conservé pendant un an. Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an qu'il est là. C'est pas mon objectif numéro 2, c'est l'objectif numéro 1. Il sait très bien à quoi il va s'attendre. Cette ceinture, il pense qu'elle est à lui, mais elle me revient de droit. Mais aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Avec un petit changement de programme, je peux le dire aujourd'hui. Demain, David Michel, c'est mon plus dur adversaire, mais demain, ce sera mon plus fidèle partenaire. Parce que vous aimez nous voir l'un contre l'autre, vous rêvez de nous voir l'un contre l'autre. Mais demain, on va vous offrir encore plus beau que ça. On va unir nos forces, ensemble, dans un match par équipe, contre des étrangers. Et c'est nous, catcheurs français, qui allons nous faire respecter sur notre sol, devant notre public, à Épinal, ici même au Palais des Congrès. Mais David, la ceinture, c'est autour de ma taille qu'on va se porter. Donc demain, un match de fou alors, demain soir, vous attend avec David Michel et Dr Müller ensemble. C'est la première fois, non? C'est la première fois, ça sera peut-être la dernière fois. Demain, on sera les meilleurs ennemis, mais on sera associés avec des adversaires extrêmement redoutables qui arrivent en Europe. Mais pour une fois, j'ai confiance en lui et je dois même dire que je compte sur lui. J'espère que c'est réciproque. Les meilleurs ennemis. En
comme elle dit, demain on a été choisi par la LNC pour représenter la France. Donc ils auront affaire quand même à des catcheurs hors normes. Je pense que tout le monde ici nous connaît. Tout le monde ici nous a déjà vu l'un contre l'autre. On ne se néglige pas. Au contraire, on s'en donne à fond. Autant sur la récupération lors de nos matchs pour toujours revenir en force, même dans nos moments de faiblesse. Donc demain, on va unir ces deux forces pour représenter, comme je disais bien, comme le disait mon cher ami et ennemi, la France, face quand même à un colosse de quasiment 2 mètres pour 145 kilos, et face à un colosse 1m88, il me semble, pour 95 kilos. Mais j'espère que vous serez tous demain derrière nous, que vous serez avec Muller en force, que vous serez avec le favori des foules, David Michel, avec moi, pour mener à bien ce combat. Avec nous en force, demain. C'est ça. Alors, comme sur vous, demain, il va falloir que vous allez jouer. On va mettre le feu, j'espère, avec vous pour les deux catcheurs français venir mettre une volée aux catcheurs européens. C'est ça? Bon, alors là, vraiment, ça va être un truc de fou, un truc de malade. À qui? Des questions, ben, je vais rebondir là-dessus, hein, c'est ça va être cool ça. Je voulais vous poser une question, je voulais savoir si ça vous est déjà arrivé, comment vous faire un jeu sur PlayStation, par exemple, la NC. En fait, la question c'est faire un jeu sur une PS4 comme on fait les jeux de la WWE mais avec les catcheurs de la LNC. Je vais le développer. Oui, alors donc moi j'avais déjà participé à ça. C'était pas la PS4 à l'époque, je crois que c'était la PS1 ou la PS2. D'ailleurs dans une émission de notre cher ami Laurent Rottier, que vous avez tous peut-être, à l'époque il y avait une émission qui s'appelait On a tout essayé. Et avec des catcheurs européens à l'époque, nous avions promotionné un des jeux qui, je crois, s'appelait SmackDown ou quelque chose comme ça. Et donc, effectivement, ils avaient recréé nos personnages, bien sûr, au sein de ce jeu. Il y avait des autres, des robots, etc. Donc, c'était assez amusant à savoir parce que c'était la première fois que je me voyais en, disons, en virtuel dessin animé. C'était assez marrant. Donc oui, on a déjà participé. D'autres projets sont en cours au niveau de la LNC à ce sujet. On est en pleine discussion avec d'autres producteurs de jeux et autres. Donc, voilà, pour le moment, je ne peux pas en dire plus. Donc il n'y a rien à faire, rien à signer. On ne sait pas si ce sera PS4 ou autre, pour ne pas citer de marque. Mais voilà, donc voilà, on y travaille, on attend. Peut-être que ce sera, peut-être pas. Comme vous savez tous, ils veulent toujours mettre en avant nos chers confrères américains d'une fédération bien connue que nous connaissons.